Bienvenue à tous sur Amiga 500, cette fois avec un jeu de Silmaril, une entreprise française, Hippipip, avec un jeu Manhattan Dealer. Alors le problème de ce jeu, tout simplement, c'est la maniabilité. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc on va voir niveau, je me rappelle plus. Voilà, blading, nicotine. Le but est de ramasser, de casser la figure aux dealers, de ramasser leur, de ramasser leur paquet de drogue et les mettre dans un bidon pour les faire voler. Et comme je vous dis, le problème, c'est la maniabilité. C'est parti. Je me souviens même plus comment on donne les coups de pied en bois. On a les coups de poing là, ça c'est bien. Bien sûr, il n'y a rien laissé tomber. Alors, il y a une tronçonneuse, bien sûr, sinon c'est trop facile. Une rogue, hop, on prend, tac 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 tac, on va aller brûler dans un bidon. Alors, faire gaffe aux... Alors là, vous allez faire, faut faire gaffe aux gens qui vous jettent des pierres, plus. Comment, oh là là, je sais même plus comment on puis vise bien, hein. Le truc c'est que je sais même plus comment on fait pour poser le truc. Ah, il vise bien, hein. Comment on fait pour... Je ne sais même plus comment on fait pour mettre la drogue dans le... Ah voilà. Ouais, c'était difficile, hein. Alors les petits skinheads là, et puis bien sûr les petites motos, tant qu'à faire. Truc vachement simple. Dis, c'est le problème, et le gros problème de ce jeu, la maniabilité. Alors je vous fais voir quand même, mettre le tableau à côté avant de mourir.
Parce qu'à mon avis, je le finirai pas celui-là aujourd'hui. Alors, bien sûr, les mecs qui bougeaient des trucs télécommandés. Alors, logiquement, là, il y avait des ennemis dans le temps. Alors, le niveau de difficulté correspond au kilo de drogue que vous devez récupérer. Lui, il n'y avait rien sur lui. Je pense que je devrais. Ce qui est dommage, c'est qu'il devrait le ressortir sur une nouvelle console. Sachet de drogue. Un truc, c'est attention de pas tomber dans l'eau. Voilà. Le tout étant de trouver maintenant un bidon pour le faire brûler. Alors, c'est pas là qu'on va le trouver. Alors, pour trouver le bidon, eh ben, il faut que je reparte dans l'autre stage. Attention de pas tomber dans l'eau. Vous voyez quand même que pour l'époque c'était assez assez bien fichu. Les gens sont super accueillants là, comme vous pouvez voir. C'était super bien fichu quand même le fait de. On va essayer de pas se faire trucider, voilà. Alors là, bien sûr, toujours les habitants super accueillants, voilà, qui vont me balancer des cailloux. Et que j'aurai pas le temps. Et voilà. Ouf. Voilà. La jauge de vie se remplit, vous voyez, mais par rapport au kilo que vous ramenez. Oup. On a évité le couteau. Non, ben là, c'était pas le moment, toi. Donc là, il me reste 8 kilos à trouver. Oui, dealer 8. On va aller voir dans le temple chinois. Alors, bien sûr, avec des ninjas, tant qu'à faire des dealers ninjas, ça se voit tous les jours, c'est discret. Il est pas content là. Voilà, lui, carrément. Oula, il rigole pas lui. Le truc c'est.
Ah, c'est lui qui les avait. Ah non, 4 kilos, donc il reste encore 4 kilos dans la nature, comme on dit. Je pense que c'est le mec avec sa batte de baseball qu'on a croisé tout à l'heure. Alors là, le mec avec la batte de baseball, il faut se planquer dans le mur, d'après mes souvenirs. À savoir... Il y a un petit renfoncement dans le mur, c'est le seul endroit où vous ne pouvez pas être touché. Et le truc, c'est que... Il faut essayer de m'entraîner là-dedans. Vous voyez, c'est super pratique. Je comprends pas qu'ils aient fait ça, quoi. Parce que franchement, pour jouer, c'est pour... Ouais, tant pis, de manière, on n'a pas le choix. C'est le seul restant. Réussir à aller brûler ça sans se faire avoir par la moto, le skin et les mecs qui balancent des trucs. Voilà. Voilà, donc je finis en niveau Bledin. Sur Amiga 500, manette and dealer de Silmaril. Pour moi qui a un très très bon jeu aussi, même si la maniabilité est assez spéciale. Silmaril qui signera plus tard un autre jeu complètement loufoque et excellent, Macho, toujours sur Amiga 500. Voilà, donc à bientôt. Je voulais être avec cette super cinématique de fin. Excusez-moi encore pour les grésillements.